Déguerpissement dans le district autonome d'Abidjan. Le gouvernement annonce un plan de relogement en 5 mesures majeures pour les populations affectées. Le gouvernement ivoirien a adopté en Conseil des ministres le mercredi 13 mars dernier un dispositif de relogement comprenant 5 mesures majeures pour soutenir les populations déguerpies du district autonome d'Abidjan. Ces mesures incluent un soutien financier de l'État au relogement à hauteur de 250 000 francs CFA par ménage, l'accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers en vue d'acquisition de parcelles en pleine propriété, la mise à disposition d'un terrain de 75 mètres carrés ou de 100 mètres carrés selon la taille de la famille avec la signature d'un bail emphytéotique sur 20 à 25 ans pour un loyer de 10 000 francs CFA par mois, au terme duquel les nationaux impactés deviendront propriétaires des terrains attribués. Une aide à la construction de 1 million de francs CFA par famille en vue de les accompagner dans la construction de leur maison. La mise en place d'un dispositif spécial pour les jeunes de moins de 40 ans sans emploi des populations de ces zones déguerpies sous la coordination du ministère chargé de l'emploi des jeunes. La mise en place d'un dispositif spécial pour les jeunes de moins de 40 ans sans emploi des populations de ces zones déguerpies sous la coordination du ministère chargé de l'emploi des jeunes. Par ailleurs, le Conseil des ministres a mis en place un organe spécial dénommé Cellule Aménagement des quartiers précaires du district autonome d'Abidjan, logé à la primature pour assurer le suivi des déguerpissements.